Bonjour à tous. Je vois qu'on est en direct, déjà connectés sur les réseaux sociaux. Bienvenue à tous pour la septième édition de Visa for Music. C'est une version spécialement digitale. Vous êtes sur le panel 5. C'est un panel qui va traiter sur les questions de la culture vivante malgré la pandémie, les artistes et les acteurs culturels en résilience. Et pour parler de ce panel, de cette question, il faut le dire ainsi, j'ai le privilège d'avoir avec moi cinq personnes de renom, on va dire cinq personnalités, parce que ce n'est pas les moindres. Je vais les présenter très vite, tour à tour, mais vous aurez le temps et l'occasion de pouvoir comprendre clairement qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les initiatives qu'ils portent. Et donc, on a avec nous ici, je vais commencer par les femmes, on a avec nous Greta. Greta Kadu, qui en ce moment est au Sénégal et qui est une personnalité de référence. On aura le temps de venir là juste après. On a avec nous Marc-Tony Méfé depuis le Cameroun. On a avec nous Alif Naba depuis le Burkina Faso, Yannick Dri depuis le Tchad, mais on a aussi Imed depuis la Tunisie. Donc, c'est un panel très riche. Et pour entrer dans le vif du sujet tout de suite, je vais vous présenter cette dame qu'on appelle Greta. À travers ses initiatives. Et donc, elle est manager de projets culturels. Elle est la fondatrice et l'actuelle présidente de l'association marocaine africaine pour l'échange interculturel, le développement et la coopération en Afrique. Entre autres programmes, elle a été l'initiatrice du lancement du premier fonds marocain pour la mobilité artistique en Afrique, Afrique Airline, et de la même association. Et donc, elle est chargée de la coordination et production du festival Le Boulevard de Casablanca pour le compte de l'association EAC Le Boulevard. Elle est très, très impliquée. C'est une dame de pointe parce qu'elle est impliquée dans plusieurs réseaux panafricains et internationaux. Et elle est membre du conseil d'administration du Fonds africain pour la culture, de la Fondation Musique in Africa et du Conseil international de la musique. Je préfère m'arrêter là parce que la liste est longue. Et on va introduire tout de suite Greta et envoyer les salutations du Gabon à Greta depuis le Sénégal. Bonjour Greta. Bonjour Zouzen, merci beaucoup. Merci pour la présentation. J'espère que j'ai tout dit. Est-ce qu'il y a des angles que je n'ai pas touchés et qui sont Non, très sensibles pour nous par rapport à la question? je pense que tu en as beaucoup dit et merci, c'est très représentatif. Merci beaucoup. Et j'aimerais te poser tout de suite la première question par rapport à cette question de résilience. On parle de la culture vivante, on parle donc tout ce qui est théâtre, musique et autres. Et j'ai juste noté dans ta biographie un élément important qui me permet de planter le décor parce que tu œuvres pour la mobilité des artistes. Comment on arrive à être mobile en ce temps de crise? On n'y arrive pas. Bon, d'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour aux panélistes. Bonjour à ceux qui nous écoutent. Merci à Visa for Music pour cette belle preuve de résilience et pour nous donner justement l'occasion, de profiter de production et de création musicale en ces temps de crise. Et Dieu sait qu'on en a beaucoup besoin. Et puis de nous permettre de continuer les échanges et les discussions autour de questions importantes pour nous en tant qu'opérateurs, où l'artiste est au début, au milieu et à la fin de toutes nos activités et qui est le premier donc touché par cette crise et avec lui tout l'écosystème qui va avec et tous les travailleurs du secteur. Alors, avec l'association Africana, effectivement, notre combat ou le levier sur lequel nous nous basons le plus, c'est principalement la mobilité des artistes et des professionnels des arts et de la culture, donc du secteur musical. On a commencé par ce secteur-là, puis on s'est ouvert sur les autres expressions artistiques. Il faut partir déjà du principe qu'avant la crise liée à la COVID-19, on avait déjà un contexte peu favorable à la mobilité artistique intra-africaine. C'est-à-dire que on avait déjà des problèmes liés à la connectivité, liés à la cherté et au coût des billets d'avion, liés à la problématique des visas, même à l'intérieur du continent. Donc,
On a essayé de développer des mécanismes qui peuvent, en un premier temps, permettre cette interaction avec le Maroc. C'est aussi lié à nos possibilités financières et grâce à l'appui de nos partenaires, et donc nos partenaires financiers et nos partenaires continentaux. Et on espérait donc à partir de 2020 commencer à ouvrir un peu plus et permettre encore plus de mobilité, de connexion en d'autres pays, puisqu'on a démarré d'abord par le Maroc, parce que c'est le pays de l'association Africaina. Maintenant, 2020 est venu avec son lot de surprises et avec toutes ces problématiques liées justement à cette crise sanitaire. Et donc, la question de la mobilité, elle est simplement mise en pause, on va dire, parce que là, il ne s'agit plus que de la mobilité des artistes et des opérateurs, il s'agit de la mobilité humaine d'un point de vue général, donc d'un pays à un autre, mais aussi de mobilité interne à l'intérieur des pays. Nous partons du principe que bon, cette crise nous a permis peut-être au début, les premiers mois, parce que ça s'est compliqué par la suite, parce que ça a duré plus longtemps, donc de réfléchir justement à toutes ces questions, de faire un bilan de ce qui a été fait, de pouvoir analyser, essayer de voir comment mieux structurer les activités par la suite. Mais le fait est qu'il y a un contexte avant pandémie et que peut-être que cette crise a mis l'accent sur le secteur dans son ensemble, y compris justement cette question de la mobilité, et peut-être que par la suite, les solutions aux problèmes que nous avions avant, je dis bien peut-être, j'insiste, parce qu'on attend de voir, on n'a pas encore de visibilité, peut-être qu'on arrivera à résoudre plusieurs problèmes en même temps par la suite, tout en prenant en considération que malheureusement, les compagnies aériennes font face à beaucoup de problèmes financiers. Je pense que maintenant, les flottes sont clouées au sol. On ne sait pas ce qui va arriver dans les mois prochains avec la question de la vaccination. Est-ce que ça sera une condition supplémentaire? Donc, la question de la mobilité posera encore plus de contraintes, mais peut-être que comme tout le monde est dans un élan de trouver des solutions à des problèmes un peu plus larges, peut-être que dans cet élan-là, on pourra solutionner les problèmes qui existaient avant, tout en proposant des solutions avec le nouveau contexte. Mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup de visibilité pour l'instant. Donc, on continue d'espérer, on espère que voilà. En attendant que les frontières s'ouvrent, peut-être travailler sur les mobilités internes dans chaque pays, qui est tout autant important dans le contexte du secteur musical. Voilà. Mais on va beaucoup en parler tout au long de ce panel. Peut-être aussi, vu qu'on parle de résilience, on va chercher maintenant les moyens, si on peut plus se déplacer physiquement, comment la culture continue à se déplacer au-delà des frontières à travers d'autres moyens. On va en parler tout à l'heure et je vais tout de suite prendre Alif qui, lui, est artiste pour qu'on puisse parler un peu de comment les artistes, eux, vivent cette situation. Mais je vais d'abord le présenter. Donc, Alif, il est issu d'une famille princière. Donc, c'est un prince qu'on sait avec nous et il est descendant du Mogonaba qu'on vit au Burkina Faso. Il est surnommé le prince au pied nu. Ça, c'est quand même un prince extraordinaire. Alif Naba est un chanteur, acteur, compositeur et interprète. Il est devenu en quelques années l'idole de la jeunesse du Burkina Faso parce qu'à travers son art, il évoque les causes sociétales et environnementales qui minent l'Afrique en général et l'Ouest en particulier. Et il a été nommé artiste au Koundé, meilleur artiste au Koundé d'or en 2014 et depuis lors il parcourt le monde à travers des collaborations fructueuses. J'ai envie de penser à sa collaboration sur Enfant du Ghetto qui lui a donné la possibilité d'être disque d'or en France. Aujourd'hui, il est à la tête des rencontres musicales africaines dans le REMA qui réunit les acteurs de la musique africaine au Burkina Faso à travers les panels, ateliers de formation et concerts. Alif, j'ai juste envie de poser une question tout de suite. Comment on fait pour partir de l'artiste aujourd'hui à porteur d'initiative? Est-ce que ça fait partie de cette résilience dont on parle? Oh, merci déjà pour tous ces mots. Ça fait plaisir. Oui, ça fait partie des résiliences. Évidemment, c'est tout à fait ça.
Alors, pour moi, c'était indéniable parce que, tu sais, quand j'ai commencé à faire la musique, j'étais déjà très entreprenant. Je pense que c'est pour ça que je fais toutes ces choses aussi. Et puis, bon, j'avais envie aussi qu'au niveau du Burkina, il y ait un événement fédérateur qui réunit des acteurs, donc qui puisse aussi aider à propulser la musique burkinabé au-delà de nos frontières. C'est pour ça que les Rimas sont nés, voilà. Très bien. Alif, comment est-ce que en ce temps, quelle est la situation de la crise en ce moment au Burkina? J'étais là il y a un mois, je pense, et j'ai vu que Vu, ça non? vivait C'est énormément au Burkina, contrairement à mon pays, le Gabon, où on est les salles de vrai. spectacle sont toujours fermées, où tout est. Est-ce que l'artiste au Burkina continue à produire? Est-ce qu'il continue à travailler dans des conditions convenables? Alors, pas forcément dans des conditions convenables. Je veux dire que de plus en plus, les choses, c'est un peu partout, hein. Nous sommes dans la même situation que le monde entier. Mais nous avons quand même, on peut dire que c'est une exception. Parce que, vous savez, dès mars aussi, le Burkina a été touché. Et les premiers cas ont été donc visibles à partir de ce mois de mars. Et puis, tout de suite, tout a été fermé. Donc, les artistes sont les premiers qui ont subi, je vais dire, de plein fouet le Covid avec ces aléas et toutes ces difficultés. Donc, les salles de spectacle ont été fermées. Les artistes n'arrivaient plus à produire. Mais est né de cela pour moi une résilience incroyable de la part des artistes parce que je le mets sur deux tableaux. Les artistes ont participé à cela sur deux manières. Premièrement, par la sensibilisation, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de chansons, même moi-même, j'en ai produit. Donc, beaucoup d'artistes ont produit des chansons pour sensibiliser les gens sur les moyens d'éviter le Covid et tout ça. Et puis, deuxièmement, aussi, les artistes ont développé d'autres moyens de pouvoir diffuser, de rester en contact avec le monde, de faire vivre le monde, de permettre qu'il y ait d'autres fenêtres d'espoir. Donc, en créant des lives sur leur page à partir de soit Facebook ou YouTube ou Instagram, les artistes ont été très, très résilients, en tout cas au niveau national au Burkina. Et pas seulement que les artistes, même les acteurs ont vu en cela l'occasion de créer. De proposer autre chose. Donc, on a vu même à Ouagadougou des festivals qui sont nés, mais qui étaient digitales, qui sont produits dans des salles normales, dans des grosses salles, et qui sont diffusés en partenariat avec des maisons de téléphonie, des partenaires. Donc, on a été très résilients sur tous ces points-là. Alors, aujourd'hui, on peut dire, le Burkina a une chance quand même, parce que chez nous, les activités reprennent doucement. Vous savez, on essaie de reprendre doucement. Et puis, nous, on est un pays où si le Covid, il nous terrassait, on était mort parce qu'on fait partie des pays les plus pauvres. Et donc, je pense que les mannes nous ont aidés de telle sorte qu'aujourd'hui, les cas sont très, très, très réduits. On est pratiquement à zéro cas. Et donc, les activités ont repris quelque temps. Mais même cela, c'est des activités qui ne sont pas à 100%. Nous sommes pratiquement, je dirais, autour de 60-65% de reprise au niveau burkinabé. On a eu un gros fouet. Mais il est aussi important de saluer au fait aussi notre État. Parce que vous savez, le Burkina aussi, c'est un pays culturel. C'est un pays qui est à la base de beaucoup d'initiatives culturelles, notamment dans le cinéma, dans le théâtre et pas mal d'autres, dans la danse et aussi la musique. Donc, nous avons un ministère de la Culture qui est très, très en avance aussi, qui prend des initiatives. Et notamment, cette année, nous avons eu quand même notre président qui a aussi agi pour venir en aide aux artistes parce que, vous savez, ne pas travailler pendant des mois, c'était très compliqué. Alors, on a quand même un don qui a été fait par exemple, le président de la République burkinabé pour aider, soulager un peu les acteurs au niveau local. Et puis, pour aussi relancer le secteur culturel. Donc, on a par exemple un budget de relance culturelle qui est parti, un soutien qui est allé jusqu'à 1,250 milliard, qui a été offert au secteur de la culture pour soulager un tant soit peu. Et puis, on a aussi notre bureau de droit d'auteur. Vous savez, on a un bureau de droit d'auteur qui est très efficace au niveau burkinabé, qui, dès les premiers jours, a commencé à prendre son bâton de pèlerin pour dire qu'il faut donc trouver des solutions, il faut aider les artistes, qui a accompagné les artistes dans leur diffusion quand ils font du live sur les plateformes, qui a accompagné les artistes à continuer à produire et à proposer des choses au niveau digital. Et ce bureau de droit d'auteur aussi a même accompagné les artistes à travers un fonds de solidarité, tout cela
pour venir en aide au secteur de la culture. Donc, on est aussi, comme tout le monde, touché par ce fléau, mais le Burkina essaie de réinventer, comme les autres pays aussi, mais de réinventer en tout cas une autre manière de diffuser, de créer. Très bien. Alif, on va revenir sur cette question, et évidemment, du gouvernement qui accompagne et qui soutient, parce que c'est très, très important pour la situation actuelle. Le Burkina, vous avez la chance d'être soutenu par. Est-ce que ce sera le cas avec d'autres pays? On a d'autres personnes ici sur le panel qui vont intervenir avec nous, mais vu qu'on a parlé, tu as parlé tout à l'heure de diffusion des produits sur Instagram, sur Facebook, et on a avec nous un spécialiste qui parle aussi des question des droits d'auteur. Je vais tout de suite me tourner vers Guy Tony Méfé depuis le Cameroun. Juste dire qu'il est directeur de l'association Scène d'Ébène au Cameroun. Il est actif dans le domaine des arts de la scène depuis une vingtaine d'années, formateur. Il a animé de nombreux stages et ateliers de formation sur les métiers de l'administration culturelle dans une dizaine de pays africains. Et il a publié surtout, ça c'est ce qui est très important, un guide thématique sur le métier de manager en Afrique, le droit d'auteur et les droits voisins et la production théâtrale et chorégraphique en Afrique. Il est le directeur du salon de l'Escale Bantou, membre du comité artistique du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Il est le membre du jury, il est le jury des 8e Jeux de la Francophonie et des 8e Jeux de la Francophonie, ça c'était à Nice? Non, c'était les 7e. Donc, ça c'était à Abidjan, et il est ambassadeur de Visa for Music. Donc, nous avons le privilège aujourd'hui de participer à la 7e édition digitale, mais aussi du Salon international des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient et à Rabat. Donc, grand frère, la situation au Cameroun. Là, on nous dit que les artistes se sont rabattus sur Instagram, sur Facebook pour les lives. Est-ce que ça leur donne la possibilité de pouvoir continuer à vivre de ça sur les médias sociaux? Est-ce que c'est réglementé, tout ça? Tony, on me signale un petit souci technique avec Tony. Il va revenir. On va revenir sur Tony, vu qu'il a un petit souci technique. Je vais saisir l'occasion pour revenir, puisqu'on parle. On va rester sur cette question. Et cette fois, je vais introduire Imed Alibi, qui est avec nous. Il est artiste tunisien de renommée. Il est un percussionniste et musicien chevronné. Il est né à Maknassi. J'espère que je prononce bien, en 1978. Il a sillonné le monde à travers de divers projets. On ne va pas tous les citer ici, mais on va quand même citer quelques-uns. Les Boukake, les Zmel, les Safar, Rachid Taya, Orange Blouson, mais ainsi que la production du coaching et la composition de musique de films. En 2020, Imed est désigné directeur du Festival international de Carthage pour sa 56e édition, et parallèlement, il est consultant de Babel Expo à Marseille. Il est de la Fondation Candide en Allemagne. Il est aussi consultant en musique pour Massive Music à Londres, au Royaume-Uni. Imed a participé à l'organisation de plusieurs festivals. Il dirige ainsi le Festival international de percussion de Sousse. Depuis 2015, il a été nommé directeur des Journées musicales de Carthage en Tunisie en 2019. De plus, en France, il collabore avec Silo, une coopérative dédiée à la création de musique traditionnelle et contemporaine. Ayant amené sa musique dans plus de 50 pays, Ahmed a été choisi pour être l'un des ambassadeurs de la musique tunisienne et méditerranéenne dans le monde. C'est vraiment un honneur pour nous de recevoir ce grand monsieur. Merci. Oui. On va un peu rester sur cette question qu'on voulait poser à Tony, mais qui est valable, mais vraiment pour tout le monde. Déjà, tu as ce côté artiste, mais tu as ce côté aussi que tu représentes aussi ces organisations. Est-ce que tu penses qu'avec cette résilience qui a poussé les artistes à se remuer sur les réseaux sociaux, vous pensez que tout ça est réglementé pour que l'artiste puisse continuer à vivre de son art? D'abord, je pense, comme disait Guetta et tous nos amis, la pandémie, elle a juste compliqué les choses. En fait, on a un secteur déjà très fragile, et surtout en Afrique et en Méditerranée, dans le monde arabe,
ce sont des problématiques dont on parle souvent dans des discussions dans tous ces festivals. Justement, la mobilité, les droits d'auteur, les difficultés financières et le copyright. Il y a beaucoup de problématiques de législation dans nos pays aussi qui peuvent protéger justement les artistes dans des temps de crise comme celle-ci. Je pense que la pandémie, elle a juste montré nos problématiques d'une manière un peu plus claire peut-être pour certains qui ignoraient ces problèmes. Justement au niveau étatique et notamment notre grand problème, c'est le manque de conscience par rapport à l'importance de la culture et des arts d'une manière générale dans l'économie, dans tous les secteurs les plus vitaux dans les États africains ou les États arabes. Concernant la question des réseaux sociaux, le digital d'une manière générale, bon, là on est directement juste en train d'utiliser des plateformes justement pour discuter. Ce sont des solutions pour l'instant, comme disait Alif tout à l'heure, il y a eu une vague d'artistes qui ont commencé à faire des lives, mais d'abord par peur, parce que les artistes ils ont peur naturellement, on a cette angoisse de ne pas exister, donc il y a eu tout de suite un flux de live, musique, tout ça pendant 2 semaines, les premières semaines de mars. Ensuite, les artistes ont rendu compte que économiquement, ce n'est pas viable, donc il va falloir peut-être réfléchir à autre chose. C'est là où a commencé la vraie dépression psychologique, d'abord, ensuite financière, et justement, elle est... la question à se poser, est-ce que le digital est important pour la vie ou la survie des artistes? Oui, ça complète, mais ça ne peut pas remplacer. Artistiquement, ce n'est pas possible parce que nous avons besoin d'un public, nous avons besoin d'interaction, d'un échange entre les artistes et le public, et surtout dans certains arts comme le théâtre, par exemple. On ne peut pas jouer, on ne peut pas transmettre une pièce... on a vraiment besoin, c'est l'âme même de l'art, c'est l'existence de ce public, c'est l'existence de cet échange-là. Ensuite, financièrement non plus, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Donc, ce sont des solutions, ce sont aussi des... je pense que la transition digitale, elle était là, mise en place depuis quelques années. Donc, certains pays ils considèrent ça comme une solution complète qui peut remplacer certains aspects du live. Moi, j'estime que ça complète, mais ça remplace absolument pas. Il faut réfléchir, d'autant plus que dans nos pays, on a des problèmes de connexion déjà en parlant entre intervenants. Donc, il y a une injustice sociale par rapport à ça, une injustice géographique. Au sein même des mêmes pays, on ne peut pas des fois avoir la même connexion entre la capitale et certains villages, certaines régions, en Afrique pareil. Donc ce sont des problématiques déjà, on peut commencer à parler au niveau État, au niveau économique, comment on peut établir une vraie transition qui prend en considération tous les éléments. Je pense que nous sommes faibles face à l'hégémonie de grandes firmes et entreprises de l'industrie créative ou musicale internationale. Donc là, quand on voit qu'on produit beaucoup d'artistes, beaucoup d'art, beaucoup de musique, beaucoup de choses en Afrique, mais notre part dans le monde, elle dépasse pas les 0,03% de l'industrie mondiale. C'est un peu... un symbole de faiblesse par rapport à ça. Donc, on doit vraiment travailler sur plusieurs aspects, sur plusieurs secteurs. Et ça demande aussi une vraie politique d'État, une vraie politique. Donc, nous, acteurs culturels et tout ça, on n'est pas assez forts pour travailler sur un ensemble de problématiques qui touchent vraiment tout le continent. Et justement, là, ça demande une réflexion générale. Sur la coopération sud-sud, là peut-être c'est le moment de penser au moyen et long terme, parce qu'on va avoir des aides comme on parlait, temporaires, on va pas, bien sûr c'est important, mais je pense que c'est aussi une occasion qui nous dédie de réfléchir à des vraies solutions pour le long terme, notamment au niveau coopération sud-sud.
Très bien, il y a Tony qui nous a rejoint, mais le temps qu'il s'installe confortablement, on espère que le problème de connexion a été rétabli. Je vais tout de suite me tourner vers Yannick Gray. Là, on a parlé d'artistes, mais il y a plusieurs secteurs dans l'artistique, dans la culture. On va parler du métier, par exemple, de directeur artistique, parce que ceux-là aussi, ils accompagnent les artistes. Comment ils continuent à vivre dans cette situation? Et donc, lui, c'est Yannick Gray. Il est surnommé le manager du désert. Il est le directeur artistique de Tchad Music Expo, un événement sur le format de salon international dédié aux professionnels de l'industrie musicale du Tchad et du monde qui se produit à N'Djamena tous les ans avec à cœur du projet des conférences de haut niveau, des storytelling, des rencontres B2B et des showcases. En outre, il est le président de l'association Tchad Art Forward qui travaille à outiller les artistes d'Afrique centrale et du Tchad sur les éléments nécessaires au développement de leur carrière et l'exportation de leur œuvre. Il officie également en tant que manager du célèbre artiste international tchadien Afrotonix. Yannick, on a envie de t'entendre parce que ce que tu vas nous dire ici est très, très important. Là, on parle des artistes qui se produisent finalement sur les médias sociaux. Oui, c'est bien, non, mais ça ne peut pas durer ainsi. Mais vous qui accompagnez les artistes, vous, comment vous continuez à vivre cette situation? Comment vous continuez à vivre dans cette crise? Bonjour Josiane, salut à tous et à toutes les à tous les panélistes et aux différents internautes qui vont devoir nous suivre ou qui nous suivent en direct. Je pense que c'est un moment difficile dont le monde ne s'attendait pas, le Tchad particulièrement. Et certainement, par exemple, vous remarquerez la difficulté que j'aurai à m'exprimer parce que ma connexion ne sera pas peut-être stable. C'est parce qu'actuellement, on vit une restriction au niveau de la connexion Internet au Tchad. Et il faut se connecter à un VPN pour pouvoir avoir accès à Internet, à un Zoom. Donc, ce n'est pas évident. Mais comme on parle de la situation actuelle, lorsqu'on a des troubles, on doit s'adapter pour pouvoir être meilleur parce qu'il n'y a pas d'excuse dans le monde de l'art. Et il va falloir proposer quelque chose de qualité et être compétitif malgré les difficultés. Donc, on va faire table rase sur les difficultés et regarder ce qui peut nous permettre de pouvoir avancer, regarder vers la même direction. Donc, c'est un moment difficile, comme je le disais au préalable. Et actuellement, au Tchad, le climat n'est pas assez... propice à pouvoir mettre en avant la culture. Donc, nous, on travaille tous les jours afin que lorsqu'on Google le Tchad, qu'on voie la culture, qu'on ne voie pas le savoir-faire guerrier, qu'on apprécie du Tchad, mais qu'on voie davantage la culture tchadienne parce que vous conviendrez avec moi que le Tchad a de belles voix. On a eu l'artiste Munira Michala qui a rayonné à travers le prix Découverte RFI. On a eu Clément Masdonga. On a des artistes tels que Melody, Afrotronix, qui rayonnent de par le monde et qui ont rayonné. Donc, le Tchad est un gisement artistique riche de talent, mais qui souffre de la sous-médiatisation. Et aujourd'hui, notre travail consiste à pouvoir mettre de la lumière sur ces artistes-là, leur donner les outils de pouvoir être présents sur les grands rendez-vous sur le continent et dans le monde. Donc, c'est une tâche qui n'est pas du tout facile parce que des jeunes comme moi, vous n'en rencontrerez pas beaucoup au Tchad. Vous ne pourrez qu'avoir 2, 3, 4 qui se battent du jour au lendemain aux côtés des vétérans pour pouvoir promouvoir la culture tchadienne. Donc, la résilience ici se vit sous plusieurs angles. Il y a certains qui ont décidé de pouvoir continuer des productions, mais à rythme réduit. Donc, à travers des chansons de sensibilisation, à travers des spectacles, et on a des structures privées comme des structures
non gouvernementale qui essaye d'apporter de l'oxygène. Allô? On t'écoute, Yannick. Oui. Oui, je disais ceci, il y a des structures privées comme des structures des ONG ou des organisations gouvernementales qui essayent d'apporter des idées neuves pour pouvoir s'adapter à la situation. Ce qui est sûr est que les choses ne se passent pas comme on veut, puisque au niveau du Tchad, on a une restriction qui est celle de la mobilité, d'aller et venir, de circuler dans le pays. Heureusement, on commence à partir de 16h, 17h pour pouvoir finir un peu plus tôt, avant 21h, pour ne serait-ce qu'exister. Donc, on vit difficilement cette situation. Je pense que l'essentiel a été dit et heureusement que tu nous as signalé dès le départ ce problème de connexion déjà que nous ressentons. Ça pose le réel problème de oui, là on ne peut plus se voir, on ne peut plus se toucher physiquement. On peut continuer quand même à travailler en ligne sur les médias sociaux et à travers toutes ces plateformes, mais la difficulté reste là. C'est que si on n'a pas une connexion Internet, on ne peut pas travailler et je vais tout de suite aller vers Tony. On l'avait déjà présenté. On avait posé une question sur est-ce que toutes les diffusions qui se font sur les médias sociaux sont cadrées, sont réglementées parce que tu es expert sur les questions de droits d'auteur et droits voisins. Et donc, comment enrichir? On parle aujourd'hui de résilience. Qu'est-ce que les artistes doivent faire concrètement pour pouvoir continuer à pouvoir exister, mais pas exister, mais comment ils font pour vivre de ce qu'ils font aujourd'hui? Bonjour Josiane, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez. On a des problèmes de connexion aujourd'hui, ce qui n'arrive jamais parce que là on travaille avec deux opérateurs et on arrive à, que ce soit sur l'un ou sur l'autre et on a quelques difficultés, mais je pense que ça va passer. Comment est-ce que les artistes arrivent? Moi, je pense que le COVID n'a pas. Le COVID a juste apporté une, nous a permis de nous poser une question du fait que le monde était et c'est fermé, tu vois. Mais il nous a amené à nous poser des questions sur notre travail en tant qu'acteur culturel, peut-être aussi à interpeller nos pouvoirs publics sur d'autres sujets que les questions de financement que nous avons là. L'habitude d'aborder. Pourquoi je dis ça? Moi, je veux dire, au Cameroun, on n'a véritablement pas le sentiment qu'on a du COVID, qu'il y a les questions de distanciation. Ça fonctionne relativement normalement depuis pas mal de temps, mais simplement qu'il y a toutes les multinationales qui ne peuvent pas prendre le risque et qui financent la plupart des événements qui se déroulent dans le secteur marchand. Et c'est-à-dire tout ce qui concerne un peu les grosses vedettes locales, surtout la nouvelle génération des musiques urbaines, eux, ils sont réellement impactés par le COVID-19. Mais je veux dire, dans la majorité, il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent de ces scènes-là, quoi. Donc, il y a un problème qui est permanent. Simplement, le COVID nous pousse à nous poser, à réfléchir sur la réelle condition des artistes vivants au Cameroun, où j'ai envie de dire... sur le continent. Parce que quand les artistes demandent, par exemple, au gouvernement camerounais de payer le manque à gagner, moi, je voulais demander le manque à gagner de quoi? Est-ce que nous vivons véritablement de la création artistique dans un pays où il n'y a pas de droit d'auteur, dans un pays où les œuvres sont piratées, dans un pays où les œuvres diffusées sur Internet ne servent qu'à générer des vues, c'est quoi le manque à gagner? S'il y a manque à gagner, ça va être certainement les artistes qui travaillent dans les cafés-concerts. Ici, et il y en a pas mal. Oui, et ils sont réellement pénalisés, ils sont impactés. Là, je ne parle que
du secteur musical. Tu vois, donc, on ne va pas tout mettre sur le dos de la COVID. Au contraire, moi, je pense que la COVID nous permet aujourd'hui de pouvoir débattre, de discuter des réels problèmes du secteur culturel en Afrique. Et le digital aidant, on a les avis de divers intervenants du secteur musical africain, et on se rend compte qu'on n'est pas tous ceux qui sont mal outils, mais je pense qu'au-delà de la COVID-19, la création artistique, c'est le parent pauvre du développement culturel en Afrique. Et on va revenir sur cette question, Tony, parce que c'est vraiment important. Si déjà les artistes n'ont pas de droit, si l'œuvre artistique n'est pas reconnue de façon générale, donc on considère carrément que que la culture n'existe pas tout simplement. Ça veut dire que ça n'existe pas. Et comment on arrive à exercer dans un pays où tous ces droits-là ne sont pas reconnus? Je vais tout de suite repartir vers Greta. Greta qui travaille beaucoup avec des organismes, je pense principalement à l'UNESCO, sur lequel j'ai eu à voir son travail, parce qu'elle a intervenu sur plusieurs panels, surtout qu'elle fait partie des associations de certains groupements. Quels sont les mécanismes, Greta, s'il te plaît, qui peuvent aider les artistes au-delà, par exemple, des pays, certains pays, par exemple, où les droits d'auteur, je prends le cas du Gabon, où les droits d'auteur ne sont pas reconnus. Comment, par exemple, tu penses que ces organismes-là pourraient venir en soutien à ces artistes? On peut dire qu'il y a plusieurs organismes qui ont de financement et d'aide à la création et à la production artistique qui ont fait une réallocation de leurs fonds et qui les ont adaptés au contexte de la crise. Pour le monde arabe, il y a l'exemple de structures comme AFAR ou le Mawlid Thaqafi qui ont lancé plusieurs appels de soutien aux artistes et aux opérateurs et aux organisations. Au niveau continental, il y a la Fondation Musique in Africa qui a aussi lancé un appel à projet ça s'appelle Musique in Africa Live. Et c'est principalement dédié soit aux groupes de musique, aux structures et organisateurs pour leur permettre d'enregistrer des concerts en live pour pouvoir les diffuser. C'est une fondation qui travaille aussi beaucoup sur la structuration de plateformes justement de diffusion et sur toute cette question de streaming et de génération de revenus en fait pour les artistes, parce que c'est clair, ça a été dit, au niveau du continent, on n'est pas outillé. Les modèles de développement existent, mais dans les pays développés, mais nous, on a encore plusieurs problèmes liés à la connectivité, aux solutions numériques. Nos artistes, pour ne prendre que l'exemple du Maroc, ils ont l'habitude de mettre leurs œuvres sur Internet pour justement une diffusion, mais il n'a jamais été question d'une structuration pour une rémunération. Donc, en plus de Musique in Africa, il y a bien entendu le Fonds africain pour la culture qui a lancé le Fonds Sofaco, qui est un fonds de solidarité et qui a été conçu spécialement pour cette période de crise. Donc, il y a eu un premier lot qui est destiné aux artistes et puis un second qui est destiné aux organisations. Et puis, il y a, par exemple, des structures comme le Conseil international de la musique son travail est principalement, justement, de fédérer. C'est un réseau de réseaux. Et donc, fédérer plusieurs opérateurs pour discuter de ces questions cruciales justement et importantes. Donc, quelles sont les mesures à prendre pour la protection économique et sociale de l'artiste? Comment arriver justement à ce partenariat public-privé pour pouvoir arriver à une rémunération équitable de l'artiste, notamment dans les pays du Sud, où on voit qu'il y a la téléphonie qui est installée, qui est génératrice de beaucoup de revenus, qu'il n'y a pas de système forcément de paiement sur Internet pour les populations. Donc, il y a plusieurs questions comme ça qui sont aujourd'hui discutées. Maintenant, à un niveau local,
ou plutôt pour rester dans le contexte d'actions prises ou entreprises par ces structures ou ces fonds d'aide aux artistes, ça a été, pour moi, hein, c'est un avis, les fonds ont des limites à un moment donné. C'est-à-dire, si on part sur un premier trimestre de la crise, où bien sûr, il y a eu même un élan de plusieurs gouvernements, de plusieurs pays pour venir en aide aux artistes, aux structures, combien même ces aides dans nos pays du Sud sont peut-être symboliques, au bout de 3 mois, c'est difficile de faire plus. Et la crise a duré aujourd'hui, depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on a 8-9 mois, et ça va encore continuer dans certains pays. Donc au bout d'un moment, ces fonds-là, est-ce qu'ils sont renouvelables? Est-ce qu'on va pouvoir continuer justement à offrir ces possibilités? Et donc, comment arriver à rester résilient et continuer cette création et partant du principe qu'il y a l'artiste, oui, mais qu'il y a tout un écosystème, qu'il y a beaucoup de pertes d'emplois. Il y a tous les techniciens, les managers d'artistes, les organisateurs d'événements. Et puis là, on parle aussi de... C'est-à-dire, je pense que dans notre acceptation, automatiquement, nous, en tant que panel, on pense beaucoup aux musiques qui sont jouées sur des scènes professionnelles. Mais il y a tout un circuit informel. Dans nos cultures, on sait qu'il y a un circuit de mariage, de fêtes traditionnelles, de tous ces musiciens qui sont dans l'informel. Donc, c'est assez complexe. Il y a des fonds d'aide. Très peu d'artistes et d'opérateurs culturels, malheureusement, sont outillés pour pouvoir faire cette recherche et pour pouvoir répondre et pour pouvoir déposer des projets d'un niveau acceptable qui va être de l'autre côté lu, compris et perçu comme étant un projet structuré et structurant, alors qu'il y a des personnes performantes qui viennent qui sont des personnes du terrain et qui connaissent bien les problématiques, mais qui ne sont pas outillés pour justement faire cette recherche et pour interagir. Et au final, tous ces fonds sont importants, ils sont cruciaux. Moi, j'encourage les artistes et les opérateurs donc, qui ont les moyens de le faire, de continuer à faire de la veille, parce que ces fonds existent pour eux. Les équipes et les travailleurs dans ces structures font de leur possible pour continuer à lever des fonds et à plaider pour avoir du financement pour ces projets-là. Maintenant, je pense que et les gouvernements et le secteur privé ont un rôle très, très important à jouer. Et les artistes et opérateurs qui ne sont pas outillés doivent pouvoir compter sur l'aide de structures locales ou d'autres professionnels locaux pour les aider justement à pouvoir accéder à ces fonds-là. Voilà. Merci. Très bien, on a beaucoup de réactions déjà sur les réseaux sociaux. Je vois Bader Drivé qui dit « L'artiste est le dernier souci de tous les gouvernements durant cette période ». On va quand même dire pour certains pays, parce qu'on a Ali Fissi qui nous a parlé du Burkina, où l'État a mis des moyens pour soutenir les artistes. On a Omar Mokadem qui nous dit l'artiste doit s'adapter et chercher des nouvelles solutions. On est entièrement d'accord. On a Benjamin qui dit les artistes qui tournent à l'international habituellement sont eux aussi fortement impactés. On est entièrement d'accord et je voulais revenir un peu sur ce qu'a dit Greta par rapport à la structuration. On ne peut parler de veille. Pour pouvoir veiller, il faut déjà savoir ce qui existe, il faut savoir comment veiller parce que c'est tout un mécanisme. Et je vais tout de suite poser la question à Imed qui lui déjà est artiste et après derrière qui accompagne des structures. Quel conseil lui il devrait donner à ses artistes, par exemple, ou à ces administrateurs qui n'ont pas les outils pour pouvoir suivre ces codes, parce que je pense que le véritable souci aussi dans le secteur culturel, c'est la structuration et c'est la formation. Et je pense que là, ça fonctionne. Je disais qu'on a fait le constat, l'état des lieux depuis un moment sur le manque d'informations, surtout chez les jeunes musiciens sur le continent et ailleurs d'ailleurs.
Tout dépend des villes. Des fois aussi, il y a, comme je disais tout à l'heure, ces inégalités des fois entre capitale et le reste d'un pays, chez nous. Et le manque d'informations, le manque de coaching. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure d'aide, de fonds qui ont été... il y avait beaucoup d'appels pour les fonds en Afrique et dans le monde arabe. Souvent, c'est des minorités ou des microcosmes d'artistes ou d'opérateurs culturels qui ont accès à ces informations-là. Nous aussi, on a toujours compris qu'il y a un manque de coaching chez une grande plupart une partie de la jeunesse musicale, artistique d'une manière générale, et je pense que le travail de formation, le travail d'éducation aussi, il y a une grande partie de travail de fond qui doit être là, mis en place pour accompagner les musiciens, pour accompagner les acteurs culturels et surtout la professionnalisation des musiciens. On le voit à travers des fois les projets musicaux ou les projets artistiques qui manquent des fois de maturité, et ça dépend bien sûr des lieux, ça dépend des zones géographiques, mais en général dans le budget alloué à ce genre de choses, je pense qu'il y a une partie qui doit aller vers la formation, vers le coaching. On en a besoin, et surtout dans des régions très précises. Ces régions-là, elles sont toujours marginalisées d'une manière générale, et ces régions ont besoin de l'accès à la culture et l'accès à l'information et l'accès aux fonds et l'accès aussi à l'infrastructure. Parce que certes, il y a ce Covid, comme disait tout à l'heure Tony, mais c'est vrai que ces problématiques, on a toujours vécu les mêmes problématiques depuis quelques années. Il y a un manque de conscience aussi par rapport aux droits d'auteur, ou quand on parle de digital, on manquerait aussi de connaissances par rapport aux outils de digital lui-même, on manque aussi de structure. Et là, c'est, comme disait Rita aussi, c'est un travail entre la société civile et entre les États aussi, parce que là, on rentre dans la législation, on rentre dans les textes de loi, et je pense que c'est un travail commun entre le public et le privé pour à la fois trouver les textes qui protègent l'artiste et aussi l'accès à l'information et l'accès aux formations et l'accès au coaching, que j'appelle le coaching parce que je pense que dans plusieurs projets, là je parle en tant qu'artiste sur le terrain, on a toujours rencontré, on a toujours vu qu'il y a un manque de connaissances par rapport au marché mondial. Et là, c'est la raison pour laquelle il y a peut-être aussi cette facilité de tomber dans l'informel. Parce que quand on parle de musiciens, des fois, ils ont cette option-là de jouer dans les mariages, de jouer dans des fêtes, tout ça, parce qu'il n'y a pas aussi un vrai marché. Et ce marché ne peut pas se construire qu'avec cet effort de toutes les parties. Très bien. Et donc, on ne peut pas parler de résilience sans parler de se réinventer. Et pour se réinventer, c'est tout un processus. Alif, toi qui es artiste et qui aujourd'hui, je considère que tu t'es réinventé puisque aujourd'hui tu es organisateur d'événements. Quelles sont les astuces? Parce que quand on est artiste, je pense qu'on est en plein dans son élément, on est en plein pour créer. Comment on arrive à sortir un peu la tête de tout ça et regarder un peu comment ça se passe autour et finalement devenir un organisateur de festival comme tu le fais ou d'événements? Non, moi je reste toujours artiste. Je suis dans cette dynamique toujours de faire de sorte que ce que je fais, donc la musique, comme je l'ai dit, au Burkina, puisse avoir encore beaucoup plus d'impact. Comment on fait? On fait juste son travail et puis on a envie de faire son travail. Et à un moment donné, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse aller loin. Nous, au REMA, pour revenir un peu à ce que Kat disait tout à l'heure. Je voudrais retomber là-dessus parce qu'effectivement, comme je l'ai dit auparavant, il y a effectivement des fonds qui ont été mis en place au Burkina. Et puis, vous savez, même pour le fonds de relance ou d'autres fonds, effectivement, ce n'est pas tout le monde qui a accès, ce n'est pas tous les artistes qui ont accès
à ces fonds-là. C'est une question, c'est une problématique qu'il faut souligner parce que quand vous prenez des artistes qui n'ont pas une administration, c'est très, très compliqué. Nous, par exemple, le fonds qui a été alloué à la relance est logé au niveau du Fonds de développement culturel et touristique, c'est-à-dire que c'est une entité du ministère de la Culture qui s'occupe du développement culturel et touristique. Donc, le fonds, il est logé là, mais pour pouvoir avoir accès, il faut quand même avoir, il y a tout un process qu'il faut suivre. Et ce process, ce n'est pas évidemment tous les artistes qui le maîtrisent. C'est pour ça que les REMA, dans ce que nous proposons au REMA, donc les REMA sont nés en fait pour aider les artistes à s'outiller, à comprendre que l'organisationnel, c'est ce qui va être important pour eux, surtout en cette période. L'organisationnel, c'est donc de savoir bien s'entourer. Et puis l'organisationnel, c'est d'aller à la recherche de l'information. Aller à la recherche de l'information. Donc nous faisons de sorte que l'information vienne avoir un goût, vienne trouver les acteurs, et que demain, des artistes qui sont au niveau même de la musique traditionnelle puissent, à un moment donné, savoir que pour diffuser leur musique aujourd'hui, vu le contexte, ils ont besoin du digital et que le digital, ça fonctionne comme ci, ça fonctionne comme ça. C'est pour ça que des ateliers importants sont organisés donc, dans ce cadre. Nous voulons que les artistes qui n'ont pas peut-être tous les atouts, peut-être comme nous, qui n'ont pas accès à un large public, mais qui ont besoin du public burkinabé pour pouvoir parler, réinventent un peu comment est-ce qu'ils vont distribuer leur musique. D'ailleurs, cette année, au REMA, nous avons mis l'accent sur, nous avons permis à des développeurs burkinabés de proposer, par exemple, des outils, de proposer des applications dans le cadre de la distribution, de la diffusion, de la création de la musique. Donc, des jeunes burkinabés qui sont au niveau endogène ont proposé des idées. Et ces idées-là, nous comptons en tout cas pouvoir, avec l'appui du ministère de la Culture, du Bureau burkinabé des droits d'auteur, accompagner des jeunes pour qu'au niveau local, au niveau endogène, on puisse développer des solutions. Et parmi ces solutions, moi-même, avec des amis, nous sommes en train de développer une plateforme de stream locale burkinabé, une plateforme de vente au niveau burkinabé, une plateforme qui pourrait même proposer aussi à long terme du live au digital. Comme l'a dit Imed tout à l'heure, on ne pourra pas éventuellement, le digital ne peut pas remplacer le live, ça c'est clair, mais il peut contribuer à faire de sorte que les artistes continuent d'avoir des gains, à faire de sorte que aujourd'hui, des artistes soient payés par rapport à ce qu'ils font. Vous savez, quand vous prenez, comme je l'ai dit auparavant, quand vous prenez sur le continent africain, c'est un continent avec des millions de smartphones, avec des jeunes qui sont hyper connectés. C'est un peu partout, hein, de Dakar à Bamako, en passant par Ouagadougou, les jeunes sont hyper connectés. Ils consomment vraiment la data, ils consomment beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Et comment on fait pour que les artistes en profitent? Nous, par exemple, au REMA cette année, donc, l'idée, c'est donc qu'il y ait, par exemple, des plateformes au niveau endogène qui font de sorte que quand Anif Naba il sort son nouvel album, quand il sort un single, que ce single-là, on puisse l'acheter, que la femme qui est au marché puisse l'avoir, que le boucher puisse l'avoir, à travers des moyens de paiement que nous avons ici, qui sont les mobile, la mobile banking, donc avec les téléphones mobiles, ça existe un peu partout dans toute la région, et c'est en train de se développer de plus en plus, petit à petit, avec des plateformes comme Wow, et ainsi de suite, qui se développent en Côte d'Ivoire. Ce sont pas des plateformes qui forcément vont changer la vie des gens, mais c'est des plateformes qui, à un moment donné, vont permettre que les artistes restent vivants. Il faut que les artistes restent aussi vivants. Ça dit qu'en moi, si moi, je ne suis pas aussi sur les plateformes, à un moment donné, je ne suis pas vivant. Il faut déjà que je reste vivant et qu'on continue à chercher les moyens d'être encore plus vivant, de rencontrer nos publics. Donc, voici un peu nous, notre axe. Très bien, c'est intéressant tout ça. Il faut consommer les data, oui, mais il y a des pays qui ont du mal à accéder à Internet. J'ai l'impression que Imed voulait réagir, mais on te donnera la parole tout à l'heure. Mais je vais revenir sur Yannick parce qu'effectivement, on parle de consommer des data. Oui, il a envie de le faire. Il est directeur artistique, il est manager d'un artiste, mais il a du mal à se connecter de façon concrète, puisque tu nous as dit tout à l'heure qu'effectivement, il fallait continuer à s'accrocher, trouver des voies et moyens. Comment, par exemple, toi, de façon concrète, tu continues à vendre ton artiste, tu continues à être au contact de ces acheteurs-là qui sont susceptibles de pouvoir vous donner la possibilité de continuer à vivre? Oui, bon, en ce qui concerne l'artiste, actuellement, on travaille sur la sortie de son prochain album.
mais on veut bénéficier de cette opportunité-là que nous offre le portefeuille électronique et le mobile money. Donc, on veut proposer une solution adaptée au mobile money, par exemple. Donc, c'est ce sur quoi on travaille actuellement, puisque les CD, la piraterie, on ne parvient plus à maîtriser les choses. Ça, ce qui concerne l'artiste, c'est, je préfère moins m'étaler là-dessus. Je préférerais parler du contexte tchadien. Actuellement, on vit une situation de crise financière et en même temps, on a des difficultés à pouvoir réclamer ce qui nous appartient. Donc, l'artiste tchadien... Donc, la réalité a rattrapé Yannick. En attendant qu'il nous revienne, on va repartir vers Tony. Au Cameroun, tout le monde vit de toute façon sur le pays des grandes ambitions où tout est possible, même dans l'eau, sous l'eau, on arrive à tout faire. Est-ce que tu peux partager, par exemple, aux artistes gabonais, quels sont les ingrédients camerounais qui pourraient les aider à sortir de cette situation, eux qui n'ont toujours pas de salle de spectacle ouverte, qui n'ont toujours pas de quoi pouvoir se réaliser. Et encore une fois, ils sont comme le Cameroun où les droits d'auteur n'existent pas du tout. Concrètement, quels sont les ingrédients qui pourraient aider d'autres artistes à travers le monde pour pouvoir continuer à résister face à cette crise? Tony? Excuse-moi, Hello. Je n'avais pas, j'avais oublié de réactiver mon micro. C'est qu'on est toujours en train de regarder les problèmes de la structuration de la filière à travers le prisme des acteurs culturels. Simplement, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut même pas sortir de l'informel si les gouvernements ne créent pas l'environnement qui permette que les choses se développent. On va toujours rester dans l'informel à essayer d'explorer des lieux compliqués, à essayer d'inventer des solutions au quotidien, mais ce seront toujours des solutions dans l'informel, ce seront toujours des petites solutions qui peuvent régler que des problèmes de quelques personnes. On a besoin, on ne peut pas développer le secteur culturel en Afrique si ce qu'on n'a pas les outils administratifs et juridiques. Tu vois, donc malheureusement, notre problème, c'est on ne regarde pas trop de ce côté parce que à commencer à aborder ces questions, on va vous dire, vous faites de la politique. Tu vois, et ce sont des sujets, dès qu'on a porté le sujet dans cette zone-là, il y a des gens qui sont mal à l'aise. Et au-delà de ça, il y a notre capacité à poser des problèmes de façon collective. Tu vois, et réfléchir. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens suffisamment outillés pour comprendre qu'au-delà de l'artistique, il y a tout un environnement qui ferait que l'artiste vivrait mieux si ce que cet environnement-là existait. Donc, ça sert à quoi de s'opposer? Moi, je me suis engagé contre une loi gouvernementale sur les associations qu'on nous a présenter comme une super loi qui va tout régler, mais quand vous allez regarder dans le fond, elle ne règle aucun problème. À la limite, c'est un texte qui ne sert à rien. Mais si derrière, il y a d'autres acteurs, parfois ayant beaucoup plus de visibilité que moi au niveau local, parce que c'est des vedettes de la chanson, qui sont associés au gouvernement, parfois sur un mécanisme qu'ils ne comprennent pas, on va leur dire, ouais, voilà le dissident qui essaye de niquer la politique gouvernementale sur le développement culturel, alors qu'il ne s'agit pas de ça. C'est pour ça que la formation reste un élément fondamental. La formation, au-delà simplement de comprendre comment je fais vivre mon artiste, mais aussi de comprendre toutes les réalités qui accompagnent le développement d'un secteur culturel. Donc, moi, je dis, continuez à inventer des petites solutions éphémères. Tout le temps, on est là-dessus, mais je pense que tant que
nos gouvernants ne sont pas réellement impliqués. Ça ne demande pas grand-chose de créer cet environnement. C'est que quelques textes de loi qui vont permettre aux acteurs culturels de sortir de l'informel, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que la culture sorte de l'informel. Très bien. Et donc, ton intervention m'envoie tout de suite à ce commentaire de Nazim Alem qui, sur les réseaux sociaux, qui nous dit « Je suis promoteur culturel algérien et je milite pour tous les artistes à travers toute l'Afrique. Il faut que l'Afrique se solidarise et prenne leur destin en main. Les financements sont le cœur du problème. Les artistes, tous médiums confondus, devraient trouver les moyens de se financer eux-mêmes à travers du mécénat, les plateformes de financement sur Internet, telles que Tipeee, par exemple, attendre les réformes de la part des gouvernements est franchement utopique. » Et donc, ça relance le débat, ça relance ce que tu disais, mon grand frère Tony. Mais on va tout de suite partir vers Imel parce qu'il faut quand même parler de l'approche genre. On a des femmes ici, ce panel est modéré par une femme, on a Krita qui est là et il faudra qu'on se penche aussi sur la question féminine. Il y a des artistes, dans le secteur culturel, il y a des femmes qui exercent cette crise, par exemple, nous a renvoyés à la maison et à des missions régaliennes pour certaines femmes, celles qui sont au foyer, de pouvoir être plus présentes à la maison. Comment, par exemple, nous les femmes, on devrait s'ajuster et s'arrimer, par exemple, à cette situation. On parle de résilience. Quels sont, par exemple, les topos de Krita pour permettre à d'autres femmes de rester debout pendant cette crise? Bon, j'avoue, j'ai toujours du mal à répondre aux questions qui sont liées à l'approche genre parce que je pense que toi, comme moi, Josiane, comme beaucoup de femmes qui travaillent dans ce secteur ou des femmes artistes, on fait en sorte que ces questions-là ne... comment je vais le dire ? On se bat peut-être, mais inconsciemment ou spontanément, de façon à ce que... Que tout soit fait de façon équitable. Et je pense qu'on a cette chance d'être dans un secteur d'activité qui comprend très, très bien cette question. Maintenant, la réalité, effectivement, elle est autre. On va trouver beaucoup de femmes, peut-être en ingénierie culturelle, dans la gestion, dans le management. En comparaison avec les hommes, très peu de femmes artistes ou qui vont faire de la scène ou qui vont démarrer une petite carrière en début, en tant que jeune, mais par la suite, les femmes sont vite rattrapées par justement la vie familiale ou des obligations autres que leur rêve d'artiste ou de créatrice. Moi, je reste par rapport à cette question assez... c'est confiante dans la mesure où on observe quand même les nouvelles générations qui arrivent où beaucoup de jeunes femmes s'imposent de plus en plus. Maintenant, dans le contexte de la crise, je pense que hommes comme femmes, on est obligé de rester chez nous et puis, je ne sais pas, ça dépend de chaque foyer. Est-ce qu'il y a des enfants, pas d'enfants, des personnes âgées? Est-ce qu'il y a peu de personnes, beaucoup de personnes? Et là, effectivement, forcément, la nature de la femme fait qu'elle a des possibilités de faire plus de choses parce qu'elle a évolué dans ce contexte-là et qu'effectivement, peut-être que la tâche est plus compliqué. Honnêtement, je n'ai pas de réponse précise par rapport à cette question et par rapport à l'approche genre dans ce contexte. Je pense que les nouvelles générations s'imposent de plus en plus. Et puis moi, en tant que praticienne, j'ai toujours été dans des environnements qui ont plus valorisé mon travail. Et puis la question ne s'est pas posée de façon, ne m'a jamais limitée en tout cas dans mes démarches, voilà. Donc nous, on a le courage de continuer à marcher, on a le courage parce que on est dans une société africaine aussi qui nous relaie parfois à des rôles pas
forcément celui qu'on attend, même parfois lorsqu'on a des compétences. Et donc, c'est pour ça qu'on va essayer de titiller les hommes de notre panel. Je vais aller vers Imed, déjà pour savoir combien de femmes il a dans son équipe, avant de lui poser la question de savoir, parce que aussi, vu qu'on parle de résilience, je sais aussi, je suis convaincue que le cerveau collectif, avoir une équipe autour de soi aide vraiment facilement à pouvoir réfléchir sur des questions qui pourront nous aider à sortir de là. Donc, Imed, combien de femmes tu as dans ton équipe? Et après, est-ce que tu penses qu'en se mettant en groupe, en équipe, ça pourra aider le secteur culturel à pouvoir... parce qu'il faut dire que les musiciens essaient d'être musiciens dans leur coin, même si souvent dans des clips, ils ont besoin de danseurs, mais on ne voit pas souvent des acteurs du théâtre, des danseurs et tout, fédérés ensemble pour se dire, bah, on va créer un produit d'ensemble pour pouvoir... Est-ce que tu ne penses pas aussi que ça peut être une solution de résilience face à cette crise? Je n'ai pas très bien compris la question, mais je réponds à la première. J'ai presque 95% de femmes autour de moi dans l'équipe, dans les GMCC. Et ça, ce n'est pas, comme disait Rita, ce n'est pas une question d'hommes ou femmes, mais c'est une question de compétences. Et en Tunisie en particulier, l'équipe très compétente, elle est composée de femmes. Donc, la production, on a même dans la technique l'année dernière, c'était... Mais je pense que oui, il y a des inégalités, il y a des problématiques, même en Europe, hein, c'est pas qu'en Afrique, par rapport au métier du spectacle et le travail des femmes dans le métier du spectacle. Ça, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec les continents. C'est une problématique qui revient souvent, surtout dans le monde de la technique. Parce qu'on n'y voit pas souvent d'ingénieurs sans femmes ou DJ femmes, tout ça. Donc, oui, il y a un peu, oui, même trop de machisme là-dessus. Tu as raison, Josiane, de lever la question. Et en fait, je revenais un peu sur la question en disant, puisqu'on parle là de résilience, et j'étais en train de demander, est-ce que le fait, par exemple, d'avoir un cerveau collectif, j'entends par cerveau collectif, essayer d'avoir tous les secteurs réunis qui essaient de réfléchir ensemble sur, parce qu'on a parlé tout à l'heure de financement avec Rita et travailler avec des organismes. Je sais aussi qu'avec des organismes, parfois, lorsque vous venez en tant qu'individu, vous n'avez pas de chance d'être retenu ou de pouvoir bénéficier de quelque chose, alors que lorsque vous êtes constitué en ONG, en collectif, vous avez plus de chance et ça vous permet au moins aussi de multiplier les cerveaux de réflexion pour mettre en route. Et donc, ma question, c'était de savoir, est-ce que cette idée de se mettre ensemble peut faciliter cette résilience que nous recherchons tous? Oui, absolument. D'abord, il y a eu beaucoup de fonds, quand Rita a parlé d'AFAC, de Maurit, qui sont destinés à des entrepreneurs ou des artistes individuels. Ils peuvent demander des fonds individuellement, donc sans être forcément dans une entreprise ou dans une organisation. C'est une chance pour beaucoup d'artistes de pouvoir faire ça. Après, pour la deuxième question, je pense que, bien sûr, travailler en groupe, réfléchir en groupe, c'est toujours beaucoup plus consistant, c'est beaucoup plus solide, surtout au niveau syndicat, par exemple. Si on va déposer un texte de loi, on va essayer de pousser pour préserver les acquis des artistes, des choses comme ça. C'est sûr qu'on manque beaucoup de conscience, parce que, à la fois, c'est ce côté informel de la chose et aussi le manque de conscience par rapport au travail de groupe. Et ici, par exemple, en Tunisie, il y a même des gens divisés dans le même secteur, alors que c'est le moment de s'unir autour de la même question qui est les droits des artistes, préserver leur acquis ou surtout les améliorer. Je pense que ça pousse à la réflexion et ça pousse aussi à considérer l'artiste au niveau politique, au niveau national, au niveau même au niveau de la société et au-delà de la question de la réflexion elle-même qui peut nous donner justement de la fraîcheur, nous donner d'autres idées, de résister à ces difficultés-là, ces obstacles-là. Je pense qu'il y a eu plusieurs groupes de réflexion
bien avant le COVID, mais plus après le COVID, il y a plusieurs groupes de réflexion au sein de la société civile qui essaient de donner des réponses à ces problématiques-là, qui essaient aussi de résister ensemble au niveau artistique, au niveau groupe de musique, de théâtre, de cinéma, art plastique. Il y a eu pas mal d'initiatives justement dans ce sens-là. Mais comme disaient Alif et Tony, je pense que il y a un moment donné, les obstacles sont énormes. Donc, on a déjà, souvent nous disent, on parle toujours de la même chose d'ailleurs, les collègues artistes, quand on discute de post-Covid et les problématiques, on va où après. Il y a beaucoup, il y a déjà ce manque de visibilité, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, on est en train de suivre aussi petit à petit ces problématiques-là. On essaie de dépasser des problématiques des fois très petites, individualistes, comme nos problèmes financiers, nos problèmes de mobilité, tout ça. Mais il y a vraiment un manque de visibilité et ça demande beaucoup plus d'efforts et ça demande d'autres efforts qui sont à notre niveau, qui peuvent être des décisions politiques. Il faut que vraiment que les États soient aussi très conscients de l'importance de la culture. C'est non seulement important, mais vital pour le développement durable, pour l'économie, pour le tourisme culturel, pour plusieurs secteurs. Ce n'est plus du divertissement, on n'est plus dans ces discussions-là. Et je pense à un autre niveau, il faut en parler comme un vrai secteur vital et pas seulement du divertissement comme ça a été malheureusement enseigné dans nos pays. Et ça, c'est le grand problème parce que s'il n'y a pas une prise de conscience globale, on ne peut pas dépasser ces problèmes. Il y a vraiment un gros travail de législation aussi. Problème de législation, ça c'est sûr. Et tout de suite, on a une question qui nous est parvenue de Benjamin Echecassel depuis Facebook, qui nous dit malheureusement, il y a une égalité d'opportunités. Par contre, contrairement à l'immense majorité des secteurs économiques, les femmes ne souffrent pas tant. La brèche salariale à notoriété équivalente. Les artistes femmes gagnent souvent mieux. Cela ne me semble pas dérangeant si elles attirent plus de public et de meilleure qualité. Ben, c'est très bien. Donc, félicitations à nous, les femmes. Et je vais revenir à toi, Yannick. Toi qui es au Tchad, qui travaille à outiller les artistes à travers ton activité, ton association Tchad Art Forward, est-ce que déjà nous sommes conscients que si à la capitale vous avez du mal à vous connecter, combien de fois ceux qui sont à l'intérieur du pays, comment par exemple encourager ces artistes, est-ce que tu en trouves par exemple faire le tour, par exemple, dans des différents villages, ou faire un tour de petits pour sensibiliser aussi, expliquer les affaires culturelles, comment ils continuent non seulement à produire, mais aussi comment ils continuent à diffuser leurs produits en ce temps de l'année. Yannick, tu as la parole? Il y avait un peu de bruit du côté de Yannick. Là. OK. Yannick, Oui, vraiment, je ne sais pas, tous les sorts sont sur moi, mais ça va aller, on va y arriver. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris ta question, c'est comment s'organise la résilience de notre côté. Chez nous, aujourd'hui, la résilience se résume à comment vendre. Donc on se bat à pouvoir s'adapter pour pouvoir vendre sur le marché actuel. Et il y a la formation qui joue un rôle capital aujourd'hui au niveau du Tchad, parce qu'on a de moins en moins de jeunes qui s'intéressent à ce secteur-là. Et aujourd'hui, il faut former pour pouvoir faire en sorte que le Tchad soit davantage représenté, parce que la jeunesse qu'il y a derrière les projets au Cameroun, c'est énorme, au Burkina Faso, au Sénégal. Donc, on a besoin de ces jeunes-là pour qu'ils puissent prendre la relève et jouer en tant que relais sur les différents grands événements et rendez-vous.
on a le statut juridique aujourd'hui qui occupe une place prépondérante parce que c'est le même problème qu'au Cameroun et d'autres pays qui n'ont pas encore avancé sur le plan juridique. Je pense qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là et nous penchons là-dessus. Et avant d'avoir cette conférence-ci, j'ai eu à échanger avec le directeur de l'Institut français qui est l'une des structures vraiment qui a su comment gérer la résilience au niveau local. Parce que les gouvernants, l'État, ne parvient pas encore à comprendre les enjeux de la culture, comme le disaient les autres, et ce sont les mêmes réalités. Donc aujourd'hui, il va falloir pouvoir s'adapter, il va falloir pouvoir mettre en synergie toutes les énergies du Sud pour pouvoir permettre à ce que on puisse pallier au manquement. Au manquement lié au fait que l'État n'accompagne pas nos structures. Et la résilience également se trouve au niveau de la recherche des capitaux. Il y a une nécessité et il est impératif aujourd'hui de trouver les capitaux ailleurs. Et c'est ce sur quoi nous attardons actuellement. Donc, former la jeunesse, travailler sur le statut juridique de l'artiste et chercher les formules comment vendre sur le marché avec les nouvelles difficultés qu'on a. Et il y a le mobile money qui est une aubaine en or qu'on essaye de pouvoir trouver la formule idéale pour pouvoir mieux vendre. Je ne sais pas si... Oui, tu as bien détaillé. Et donc, on est en train de parler de résilience. Il nous reste environ 12 minutes. Vous êtes 5 panélistes. Et donc, je vais profiter de cette occasion avant de vous donner la parole à chacun pour faire, ce sera peut-être pas un dernier tour, mais vu le temps qui nous est imparti, je pense que si, je vais vraiment remercier toute l'équipe de Visa for Music qui a tout mis en œuvre pour que cette édition puisse avoir lieu malgré les conditions. Donc, ce cerveau collectif qui a dû travailler d'arrache-pied pour rendre cette édition digitale possible. Et donc, oui, c'est possible. On peut faire les choses. La COVID est juste venue nous rappeler qu'on pouvait faire les choses autrement. Et c'est possible de continuer à faire. Et derrière ce cerveau collectif, celui qui le porte, qui s'appelle Brahim, est vraiment une personne à féliciter et à encourager. Et le thème de notre panel, donc on anime ici le panel 5. Le thème, c'est la culture vivante malgré la pandémie, les artistes et les acteurs culturels en résilience. Donc, si on essaye comme ça de faire un tour, je vais prendre tout de suite la personne qui est en premier sur mon écran, et donc Rita, qui est là. Si toi, tu devais résumer un peu ce thème avec des propositions concrètes, ce seraient lesquelles? Merci, Josiane. Je voudrais peut-être dire que les artistes et l'écosystème qui les entoure en Afrique ont été résilients avant la crise de la COVID déjà. Donc, y a eu beaucoup d'élan de solidarité. Les artistes sont dans le besoin. Pourtant, ils ont été les premiers justement à sensibiliser, à offrir de leur temps et de leur créativité par rapport à cette crise-là. Et j'espère que, comme cela a été dit, comme Imad l'a dit, Tony, Alif, Yannick, que nos gouvernants, le secteur privé ou ces entreprises qui peuvent être sponsors et mécènes ont réalisé justement pendant cette crise l'importance des artistes et du secteur culturel dans son ensemble avec toutes ces expressions et qu'on pourra en ressortir justement avec une feuille de route qui va pouvoir répondre à toutes ces problématiques qui étaient existantes avant et qui ont été mieux mise en lumière face à cette crise-là, et puis encourager les artistes et toutes les structures et opérateurs culturels qui ont pris ce temps pour restructurer, repenser, créer, de continuer à le faire. La veille, on en a parlé tout à l'heure, elle est importante, mais les artistes qui n'ont pas l'accès justement à ce type d'informations
peuvent interagir avec nous, déjà cette partie des panélistes et puis tous les autres intervenants au niveau de Visa for Music. On est là pour ça, pour donner des informations, pour essayer de faciliter, pour mieux expliquer. Et puis, je pense que chacun dans notre pays, on est ouvert justement à tous ces artistes et toutes ces organisations naissantes justement qui ont besoin d'accompagnement ou de coaching, comme l'a dit Imad, pour pouvoir, parler tous ensemble d'une même voix et pouvoir plaider pour une meilleure prise en compte de notre secteur d'activité, mais aussi s'entraider et voilà, ce que moi je sais, je pourrais le passer, et puis ce que je ne sais pas, je l'apprendrai de chez un collègue, et puis ça continue. En tout cas, beaucoup de courage à tous les artistes, merci pour tout ce qu'ils nous apportent dans la vie quotidienne, mais aussi de nous permettre à nous aussi de travailler et de réfléchir avec eux à des solutions, parce que sans eux, nous, on n'a pas lieu d'être. Et puis, merci enfin aux panélistes, à ceux qui nous suivent, à Visa for Music pour cette belle preuve de résilience, justement. Merci beaucoup. Très bien. Et il met dans deux minutes, qu'est-ce qu'on peut retenir, les artistes et acteurs culturels en résilience? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce thème? Le micro. Activated, all okay now. D'abord, je voudrais remercier tout le monde pour cette occasion, Visa for Music et tous nos amis. Je pense, comme l'a très très bien résumé Guita, donc je pense que tout l'écosystème doit maintenant être solidaire, travailler sur deux axes très importants. D'abord, l'accompagnement pour dépasser cette crise-là qui a fait que compliquer la situation qu'on avait déjà. Donc, comme elle disait, on était déjà en résilience parce que l'écosystème il est assez fragile. Deuxième axe, maintenant, c'est vraiment réfléchir sur d'autres méthodes, d'autres façons de travailler et voir un peu justement prendre le temps maintenant qu'on a le temps. On a assez le temps de réfléchir sur les problématiques avec le secteur privé, avec le secteur public, et essayer de surmonter ces difficultés, de travailler en solidarité, parce qu'on n'a que ça dans nos pays. C'est déjà une grande chance qu'on a ce système solidaire, familial, au niveau société, au niveau artiste. Et on est tous là justement pour s'entraider, pour s'écouter et donner de l'aide aux plus vulnérables, aux plus jeunes des musiciens, et surtout ne pas négliger le secteur informel qui subit vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Ce sont aussi, ils font partie aussi de cet écosystème et ils étaient obligés d'être que dans cette façon de faire et réfléchir à la fois au digital comme complément de notre travail dans la distribution, dans la copyright, de travailler sur et d'autres méthodes, comme disait Alif, pour la distribution digitale, pour locale, nationale et continentale. Très bien, merci infiniment. Deux minutes à Tony pour nous dire le résumé de ce thème, les artistes et acteurs culturels en résilience. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Je veux dire que nous sommes en résilience depuis très longtemps. Le COVID nous met dans des conditions où nous devons apprendre à poser des vrais problèmes, parce que il suffit que ça s'arrête 10 jours pour qu'on se rende compte que c'est terrible de vivre au jour le jour. Mais pourquoi est-ce que nous vivons au jour le jour? Et il faut la formation est un élément fondamental dans la structuration même de la filière, parce qu'il faudrait qu'on arrive de façon collective à poser les vrais problèmes, tu vois, qui ne sont pas toujours des problèmes de financement. Parce qu'en général, on a l'impression, quand on voit nos têtes dans les administrations, c'est ils sont venus chercher des sous, tu vois, alors qu'on n'a pas besoin d'aller toujours. Si ce qu'il y avait des mécanismes qui nous permettaient d'être vraiment des opérateurs économiques à part entière, on n'aurait pas besoin d'aller cogner à la porte des ministères et des amis tous les jours, parce qu'il y a des mécanismes universels qui existent, qui permettent à la création artistique d'être valorisée et de se suffire
à elle-même. Mais c'est compliqué. Tu vois, c'est tellement compliqué. Quand j'invite un artiste de la République démocratique du Congo, même au Cameroun, il faut qu'il prenne une autorisation de sortie avant de négocier le visa. Tu vois, nous en sommes encore là, quoi. Donc, ça, c'est autant de questions qui n'ont rien à voir avec l'argent. Les questions d'infrastructure, si c'est que l'État ne peut pas construire, qu'elle facilite à ceux qui veulent participer à l'aménagement des lieux culturels dans les... Dans... Il y a autant de réflexions qu'on devrait faire. Et tout à l'heure, Imed le disait, ce qui est fondamental aujourd'hui et qui est nécessaire, qui est à la limite indispensable, c'est la solidarité. C'est la solidarité parce qu'on ne peut pas porter un discours fort quand on est chacun seul dans son coin. Il faut que nous soyons solidaires, mais solidaires sur des choses qui dépassent l'instant. C'est-à-dire, on va te donner un financement. Quand on te donne un financement pour organiser ton festival, à la fin du festival, le financement, il est fini. Est-ce qu'il a résolu tous les problèmes qu'il y a dans ton environnement? Non. Tu vois, il faut qu'on ait une double réflexion, des réflexions sur les activités, mais aussi des réflexions sur l'amélioration des conditions de travail dans nos environnements. Donc, moi, je pense que sur ce point-là, le débat est parti de ce côté-là et on a découvert de nouveaux outils, c'est-à-dire le digital, aujourd'hui, qui peut nous permettre à la limite de surmonter les questions de mobilité. Aujourd'hui, je peux faire... Là, nous sommes en train de discuter. Imed est en Tunisie, Rita à Dakar, Alif est à Ouaga. Autant de moments de réflexion que nous pouvons aujourd'hui avoir sans la contrainte du billet d'avion. Et ça, c'est super intéressant, je pense que... Même au niveau local, tu vois, pour partir de Yaoundé pour Douala, c'est parfois toute une journée de... C'est 5 heures de route pour faire 300 kilomètres. Ça te prend pratiquement toute la journée, quoi. Je veux dire que, alors qu'aujourd'hui, on peut penser des rencontres virtuelles qui nous permettent de discuter de sujets qui nous concernent tous. Mais simplement, il faut qu'on apprenne, nous, en tant qu'acteurs culturels, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau régional ou continental, à poser des problèmes de façon collective, après des réflexions, pour qu'on soit entendu au moins au niveau des gouvernements. Voilà. On a bien compris que c'est un vrai travail de fond, c'est un gros boulot. Bon, là, le droit de NES fait qu'on a grignoté un peu sur le temps qui va rester à Alif et à Yannick. Donc, en une minute, Alif, s'il y avait quelque chose à dire, on va quand même demander à l'équipe de Visa for Music de nous donner ces une minute supplémentaire pour donner la possibilité à chacun d'avoir ces 2 minutes pour rester dans l'égalité. C'est vrai que tu as été très injuste dans ton partage, mais c'est la démocratie. Alors, Tony, il a fermé la porte, il s'est rattrapé par rapport à hier. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je voudrais dire que nous sommes dans un monde actuellement qui est très étrange et donc qui plonge tout le secteur de la musique, donc la culture en gros, dans un flou total. On ne voit plus clair, on n'a pas de lisibilité sur ce qui arrive. Alors, il faut continuer par contre à espérer, il faut continuer à se battre. Et le digital, c'est un peu ce bateau qui nous permet donc de peut-être d'imaginer peut-être la rive de l'autre côté. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, il faut déjà, ce que je veux dire, un dernier mot, c'est qu'on doit continuer vraiment à se battre. Et puis, il faut aussi interpeller nos États pour que les États puissent aujourd'hui permettre qu'il y ait des mécanismes qui accompagnent les artistes dans cette période incertaine. Vous savez, même quand je parle du Burkina Faso qui a mis en place des mécanismes, c'est vraiment pas suffisant aussi quand même. C'est juste que ça existe. Vous savez, nous avons tous les mêmes problèmes, sauf qu'on n'a pas les mêmes avancées. Au niveau de certains pays comme le Cameroun, le Gabon, il y a des problèmes de droits d'auteur. Nous, on a la chance peut-être d'avoir un bureau de droits d'auteur très bien organisé qui a une référence sur le continent africain. Mais ce n'est pas le cas pour d'autres pays. C'est pour ça qu'il faut continuer. Il faut aussi que les autres s'inspirent de ce qui marche sur le continent pour pouvoir l'utiliser. C'est très intéressant que le virtuel donc, nous permette aujourd'hui d'échanger et de partager nos expériences diverses. Et puis, il faut que les acteurs au niveau continental se parlent régulièrement, qu'ils, comme l'a dit Tony, donc une solidarité agissante maintenant, parce que ce n'est pas demain qu'il faut le faire. Il faut que la résilience, elle soit vraiment, elle ne soit pas juste dans le discours, mais que ça se passe. C'est pour ça que nous, en plein Covid, on a réalisé les REMA. On a 16 nationalités qui sont venues au REMA. On a ouvert les fenêtres avec la force, parce qu'il faut aller à un moment donné dire aux États, nous devons exister parce que nous sommes de ce monde de la culture-là.
Et si vous ne nous donnez pas les clés d'exister, on va aller les chercher nous-mêmes. Donc, il faut que les acteurs, partout où ils sont, sortent le micro et qu'ils crient aux yeux du monde que la création risque d'en pâtir, que les acteurs, les créateurs ont peur pour l'avenir et qu'il faut agir maintenant. Très bien. Il faut agir maintenant. On a Yannick qui est notre dernier intervenant avant que je me présente à vous pour conclure ce live parce que j'ai eu l'honneur et le privilège de pouvoir le modérer. Je ne me suis pas présentée au début parce que j'ai voulu laisser tout le monde apprécier tout ça, Yannick. Donc, les acteurs et acteurs culturels en résilience, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Oui, je remercierai d'abord Visa for Music de permettre au Tchad d'être sur la map monde des grands rendez-vous de la culture. Et par la même occasion, pour nous, la résilience actuellement, le focus est sur trouver la formule de mieux former la jeunesse pour qu'on soit nombreux à pouvoir défendre nos intérêts et parler de la même voix et faire de la pression sur les politiques afin qu'on puisse... Donc Yannick, il a encore des problèmes de connexion et malheureusement ce live tire à sa fin. Et donc je vais rappeler le thème de ce live, c'est la culture vivante malgré la pandémie, les artistes et acteurs culturels en résilience. Donc moi je suis Josiane Maténé, votre humble modératrice de ce panel. Donc je suis organisatrice et initiatrice au Gabon des Samba professionnels. C'est un séminaire d'échange de compétences qui a lieu depuis 2014. Donc nous avons donné la possibilité depuis 7 ans à 1000 jeunes de l'Afrique et du continent mondialisé. Donc, j'en profite aussi de ce live pour rendre hommage à Pape Diouf et Manu Dibango qui nous ont accompagnés et qui sont partis aujourd'hui des suites de COVID. On en parle, c'est la résilience. Et aujourd'hui, grâce à cette résilience, nous avons lancé cette version live des Samba. Nous avons lancé aussi une version pour les enfants de 7 à 17 ans parce que nous avons bien compris qu'il faut commencer dès le bas âge et que c'est avec les modèles qu'il faut former. Et donc, c'est la transmission des connaissances par des modèles de réussite à travers le monde. Je vais donc remercier toute l'équipe collective qui est derrière l'équipe d'organisation des Samba professionnels. Et donc, il y a un ambassadeur de Visa for Music qui s'appelle Ogula Latif Jean-Rémy et qui est le coordinateur général de tout ça. Et c'est sûrement grâce à lui que l'équipe de Visa for Music m'a coopté pour pouvoir modérer ce panel. Donc, je vous remercie infiniment, tous les panélistes, vous tous qui avez été connectés avec nous. Merci infiniment. Merci à l'équipe pour la confiance. Et nous avons été vraiment ravis d'être avec vous, ravis de vous recevoir ici. Merci infiniment. Et bonne suite des programmes à Visa for Music. Merci.